Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la préparation et du début de la toile de Annaline, donc que j'ai eue grâce à One Day Saving en partenariat. Et du coup, je vais vous montrer en fait de plus près pourquoi j'ai pas besoin de la table lumineuse, parce que voilà, elles sont vraiment super bien imprimées au niveau de l'impression des symboles sur la toile. Et du coup, je vais la préparer. Donc, je vais accélérer le moment où je mets toutes les perles dans les nouvelles petites boîtes que j'ai reçues. Et puis après, on la commencera tranquillement. Donc voilà, là, j'utilise les petites boîtes que j'ai achetées sur Amazon. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez, je prends le tape de masquage, je coupe des petites zones. Et je mets les perles. Donc j'ai pas eu de soucis pour mettre les perles en soie dessus. Ça a été assez facile, hein. Je vais couper le long du sachet, vu que c'est des sachets un peu comme Action nous met dans ses Diamond Painting. Donc franchement, j'aime bien. Seul petit souci, c'est que j'ai eu une perle bleue dans mon verre. Après, j'en ai eu qu'une seule fois, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, une fois que j'ai commencé la toile, vous pouvez voir, hein, le collant était mal fixé à la toile. Donc hier, j'avais déjà raclé, là j'ai vu qu'il y avait une petite bulle. Donc malheureusement, j'ai voulu retirer la petite bulle, donc j'ai retiré le film plastique très délicatement, j'ai pris la latte, j'ai poussé sur la latte avec une pression assez forte, hein, pour justement retirer cette bulle. Et du coup, j'ai utilisé du tape, enfin pas du tape de masquage, ce qu'on appelle du washi tape, mais pour moi c'est la même chose. Ça colle aussi peu, parce qu'ici c'est juste décoratif et je trouvais ça chouette de le mettre. Donc je l'ai utilisé surtout pour délimiter la zone, parce que voilà, c'est fort bleu et c'est plus facile pour vous de voir ce que je vais faire comme zone, et ainsi que moi, bien sûr. Donc sur les petites boîtes, j'avais pas mis à quoi correspondaient les symboles. Donc j'avais marqué 1, 2, 3, 4 comme vous avez pu le voir. Du coup, ici, j'ai mis que le 1 représentait le A, le 2 représentait le E, le 3, le V, le 4, le X, et ainsi de suite en suivant la petite légende sur le côté en haut à gauche et en bas à droite. Et donc, niveau de la toile, je pense pas que je vous l'avais dit, hein, elle est pailletée, donc c'est topissime. Je trouve ça sympathique de mettre des paillettes dans une toile, même si au final, avec les perles, bon c'est vrai que c'est pas des perles carrées, donc il va y avoir des petits trous, mais avec les perles rondes, du coup, vu que c'est que. Enfin, j'ai pris que des toiles avec des perles rondes, on va. Comment dire? Ça va, papa, je vais y arriver, désolée. Ça va être plus facile pour moi que de regarder quelle est la couleur 1, quelle est la couleur 2. Et je parlais des paillettes. Les paillettes, pour moi, elles sont un peu useless parce que bah, ça va être recouvert. Donc voilà, je commence. Enfin, je commence. Ça fait un moment, j'ai déjà mis quelques perles. Hein, je vous ai mis ça en accéléré. Donc j'ai commencé à mettre les perles. Les perles collent super bien. Après, bon, bah, la colle rose, j'ai eu un petit souci. Au bout d'un moment, ça collait plus. Je sais pas, peut-être que ma colle a eu un peu chaud, parce que généralement, je n'ai aucun souci avec la colle qui donne. Donc là, je suis toujours sur ma colle de chez Action. J'ai pas utilisé leur colle à eux, mais bon, une colle rose, ça reste là, ça vient du même endroit, donc je me suis pas trop pris la tête. J'ai utilisé ma colle de d'habitude. Donc si vous trouvez que je devrais peut-être justement utiliser la colle de leur boutique à eux, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup voilà, je continue. Franchement, elles sont super. J'ai juste, enfin, vu qu'il y a énormément de symboles différents, j'ai juste dû revenir un petit peu avec d'autres perles, parce que bah, justement il n'y avait pas enfin, j'ai pas vu qu'il y avait du grec à certains endroits et j'avais mis plein d'y partout. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Du coup, je vais vous mettre une petite musique le temps que je finisse de mettre les perles sur la toile et on se retrouve pour l'outro.
maintenant que j'ai pu tester un peu leurs produits. Donc ça donne ça, franchement, c'est très joli. Alors la toile est quand même assez épaisse, j'avais pas remarqué, il y a des paillettes aussi dans la toile. Bon, après, les paillettes, c'est sympa, c'est une petite touche un peu fantasy, même si au final, on les voit pas, hein. Vous pouvez voir ici, sur le petit carré que j'ai fait, on les voit pas. Donc ça colle super bien. Après, qu'est-ce que je peux dire? Les couleurs sont très chouettes, ça brille tous les 2000 feux. J'aime vraiment bien, j'ai hâte de terminer cette toile parce que elle est juste sublime hein, avec tout. Et du coup, je sais pas si vous pourrez voir ici par exemple dans le soleil, on voit hein, ça brille un petit. Ouais, voilà, vous voyez, ça brille un petit peu les paillettes. C'est vraiment tip-top au niveau de la qualité, donc je recommande vraiment ce site. C'est pas parce que c'est mon premier partenariat ni rien, mais la toile est assez épaisse. C'est vrai que quand je l'ai déballée, j'avais dit ça passe, mais là, une fois qu'on commence à l'utiliser, en fait, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment bien. Du coup, pour cette boutique, je ferai encore une vidéo pour vous montrer un peu les stickers Pokémon, comment ça colle et tout. Ça pourrait être sympathique. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que. Elle vous aura plu. Bye bye!